J'ouvre la porte du frigo, 4 bières de pasticho. Je m'installe devant la télé et je commence à ingurgiter. Je sens que la coupe est pleine, mais je ne m'en donne pas la peine. Impossible de lacer ses chaussures sans se casser le col du fémur. J'ai contacté SOS Suicide, mais je me suis pris un gros bide. J'ai essayé tous les régimes, je me suis mis à l'aquagym. Ça va 10 secondes quand je le rentre, mais j'avoue, j'ai du ventre. J'ai voulu desserrer la ceinture, oublier mes beaux abdos tout durs. J'ai avalé des brûleurs de graisse, mais ça me donne la laine mauvaise. J'ai pensé à la chirurgie, à crever les yeux de mes amis. Ça va 10 secondes quand je rentre, mais j'avoue, j'ai du ventre. Je ferme la porte du frigo, je ne bois qu'un grand verre d'eau. Je vais de suite dans mon lit, c'est bon pour mon taux de glycémie. Je sens que je perds du poids, oui, ça se voit déjà. Impossible de tenir sur la balance sans devoir esquisser un pas de danse. J'ai pensé à l'anneau gastrique, mais pour dormir c'est pas pratique. J'ai voulu mettre un corset, mais le corset, ça se corset. Ça va 10 secondes quand je rentre, mais j'avoue, j'ai du ventre. J'ai réduit les boissons gazeuses sans réduire la matière adipeuse. J'ai voulu soulever des haltères en espérant que ça me désaltère. J'ai bouffé des galettes de riz, mais ça me fait pisser au lit. Ça va 10 secondes quand je rentre, mais j'avoue, j'ai du ventre. J'avoue, j'ai du ventre. Mais je sais que mon petit bidou est confortable. D'excite celle qui me trouve consommable.